c'est Mobio et on est de retour sur Mafia 2. Alors, dans le dernier épisode, bah, j'étais poursuivi par la police, je suis recherché et il faut que je retrouve ma caisse. Je galérais d'ailleurs, je me suis fait tuer dans l'épisode précédent. Il faudrait que je fasse pareil, mais je retrouve ma voiture quoi. Donc, je suis à côté du gars, du braquage. Mais non, mais non. Vas-y. Hey, ça va? Ça va? Il est juste mort. Moi je vais mourir aussi, ça va être mieux. Monte ta tête. Voilà. Bon, alors, ma voiture... je peux prendre à droite là. Non, d'accord. Je vais vous retourner par là-bas. Oh, mais arrêtez de me saouler, les mecs. Bon, ma voiture est là-bas vers la gauche. Vas-y. Allez hop, on se casse. Ah bah qu'est-ce qu'elle est là. Prends ma caisse, prends ma caisse, calme-toi. À la prochaine, hein. Ça va mieux quand on prend sa caisse du coup. Oh, barrage, mal. And stop drinking so much. Shut up, boy. Oh là là. Drink all day. C'est violent, ouais. Comment j'ai payé la réparation, là, les gars? Allez, allez, on roule, on roule. Ouais. Mais laissez-moi. Tout ça au cul. Bah voilà, je suis mort. Non mais c'est sérieux, c'est quoi cette partie de fou quoi. C'est mort, rentrer tranquillement chez moi quoi.
Bounty Wanted. Hein. Cool. Ok, c'est là-bas. C'est bon, il m'a repéré ou pas? Ouais, il m'a repéré. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Je prends ma cage, je prends ma voiture. Vite, 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 laissez-moi prendre ma voiture. À la prochaine. Hein. Si. Cool, hein. J'ai oublié peut-être, tu sais. On va faire le virage correctement, là. And stop drinking so much. Oh non, bon, on poursuit, c'est pas la peine. Shut up, boy. To drink all day, on délâche. All night and sun. Arrêtez de tirer dessus, j'ai rien fait. Bah si, j'ai fait un braquage quoi. Pourtant j'ai gagné 1000 dollars dans cette histoire. Bonsoir. Vas-y, change-moi ça. Un renseignement? Une nouvelle plaque? Pour vous, pas de problème. Mettre un petit 1 derrière. Voilà. Merci beaucoup. C'est encore recherché en fait. Je recherchais à pied ou en voiture, du coup j'ai changé la plaque. Oula oula oula, petite saccade. Est-ce qu'en passant côté des flics, est-ce qu'ils vont m'embêter? Oui, pas dans la voiture, je pense. Est-ce que je peux rentrer couler à la maison? Ouais, c'est bon, quelques plus. Ok, donc fallait que je change la plaque. Voilà. Hop là. Ferme la porte. Je vais bien passer par les chiottes. Un petit coup nouveau, hein. Hop là, ça me donne ma vie à fond. Ouais, bon. Ok, je suis allé où maintenant? Je vais me coucher? Bon ben, dodo. Je suis plus cherché le lendemain. Chapitre 5. La sulfateuse. Ah bon? Salut, beau mec. Bonjour. Joe est déjà sorti. Il te retrouvera chez Freddy pour déjeuner. D'accord. Dommage que t'aies dormi si tôt hier soir. On se serait amusé. La prochaine fois, hein?
Bye. Bye bye. À la prochaine. Ah. Ben, allez donc. Bon, allez chez Freddy. Je ne sais plus rechercher. Ah oui, ben, peut-être que je m'habille. On va voir ce que ça donne quand je suis comme ça. Ah, mais c'est le truc bugué. Cet habit un peu bugué pour moi. D'accord. Et celui-là, il est bugué? Celui-là ne l'est pas. Celui-là, il me rend plus classe quand même. Allez. Enfin, classe. C'est quoi celui-là? Allez hop, c'est parti. On va aller chez Freddy. Comment ça me coûte en réparation maintenant? Un bras. Freddy, dis-moi! Espèce de salope! Mais écoutez tout de suite! C'est pas vrai ça! Quand on sait pas conduire, on reste chez soi! Eh, hey, mais c'est la nana de Joe là! Enfin, une des nanas de Joe. Prends pour qui lui? Tu pètes ma caisse! Je vais péter la tienne! Regarde ma caisse! Calme. Et là, on se détend, l'ami. Non mais t'es qui, toi? Quelqu'un qui aime pas trop qu'on parle comme ça à une dame. Alors tu ferais bien de te tirer avant que je m'énerve pour de bon, hein? C'est quoi cette salope? C'est ta fiancée? Si c'est pas elle qui paie les dégâts, ce sera toi. Tu dis encore un mot et je te redécore la gueule. Allez, casse-toi, je t'ai assez vu. Mais... Je t'avais prévenu. On n'en a pas les nanas, oh. Merci, beau mec. Je m'en souviendrai. Ça te dirait de venir chez moi pour une grosse part de tarte? C'est gentil, mais un de mes potes... Non, laisse tomber. Je suis sûre que ça te plaira. Il faut que j'y aille maintenant. À la prochaine. À la prochaine, c'est clair. Du coup, je prends même ta caisse. Et je te roule dessus en plus. Je vais l'éclater ta caisse. Rien à battre. Rien à battre dans ma voiture. Elle a un trou du cul. Salut les gars. Ouais. Vito, voici Luca Gorino. Il veut vous parler. Luca, lui c'est Vito. Enchanté, monsieur Gorino. Mais pas tant de manières. Appelle-moi Luca. Assieds-toi, Vito. Qu'est-ce que vous prendrez, monsieur? La même chose que moi, et en vitesse. Pareil que vous êtes tombé sur les Irlandais? Putain d'histoire. Vous en êtes tiré comme des chefs. Du bon boulot. Salute. Salute. Les gars, je suis impressionné. Je connais pas beaucoup de mecs qui auraient eu les couilles pour ce genre de boulot. Alors, je me demande si vous êtes prêts à passer à la vitesse supérieure. Bien sûr.
pour faire quoi? Vous pourriez éliminer un type? Comme de bons soldats, juste parce qu'on vous a dit de le faire? J'ai fait la guerre, monsieur Gourino. Alors j'ai tué comme un bon soldat. Des types que le président m'a demandé de buter. Le président. J'adore. Mais là, tu parles des boches, hein? Tu sais, les méchants. Là, c'est différent. Comment? Hey, parfaitement. Bon, il nous faut des gars comme vous. Des gars qui savent obéir sans poser de questions. Vous faites ce boulot aussi bien que celui d'hier soir, et je crois que vous aurez une bonne chance d'entrer dans la famille. Enfin, après avoir payé le droit d'entrée, évidemment. Et ça fait combien? 5 plaques chacun. Mais c'est une fortune. Hé, hey, personne n'a dit que c'était donné, ok? Tu peux me croire, les bénéfices valent largement l'investissement. Mais vous avez aussi le droit de réfléchir. Henri va tout vous expliquer, on se revoit bientôt. Ravi de t'avoir rencontré. Ah, te voilà. Salut, patron. Tu étais occupé de ce dont on a parlé? Ouais, ouais, c'est entre de bonnes mains. T'as Henri déjà va. Dit ça la dernière fois. Me déçois pas à nouveau. Patron, je vous jure... Viens avec moi. Il y a autre chose dont je veux te parler. Bon, Henri, en quoi il consiste alors ce boulot? Je dois buter un gars. C'est mon contrat, mais je peux Merci. Pas le faire seul. C'est pour ça que vous êtes là. Et ce gars, c'est qui? Une grosse baleine de l'autre côté du fleuve. On l'a déjà mis en garde, mais il se croit intouchable. Et c'est le cas? Ben, il y a quelqu'un qui a essayé de se le faire. Et? Disons qu'il l'avait un peu sous-estimé. Ok, c'est clair, quoi. Un peu comment? Un peu trop. Tu veux dire par là que le type est mort, c'est ça? Hey, ils ont merdé, c'est tout. J'ai loué un appart en face de son quartier général. On s'installe, on attend que la baleine se pointe, et puis boum! On l'explose. Et on va faire comment? À la MG-42. Et qui va nous la fournir, la MG-42? Harry. Ouais. Un vétéran, comme toi. Il tient un magasin d'armes du côté de Kingston. Il peut tout avoir, depuis la sarbacane jusqu'au bazooka. C'est pas lui qui va te réclamer un permis de port d'armes. Ok, avec Joe, on va à l'appartement. Vito, toi tu pars chercher la mitrailleuse chez Harry à Kingston. Elle est payée. Ok. T'y vas de ma part. Après, tu nous rejoins à l'appart. C'est sur Sand Island, l'immeuble qui est en face de la distillerie. Appart 233. Ok, 233, pigé. On se rejoint directement là-bas. Allez, à tout à l'heure. Bonne chance, vieux. De problème, quoi. On cherche une mitrailleuse. Bon. Cette fois-ci, ben, cet épisode sera plus court. Donc, si l'épisode ben, vous a plu, ben, vous mettez un pouce vert. Si l'épisode vous a pas plu, vous mettez un pouce rouge. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.